Et salut tout le monde les amis, c'est PeurGamer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 134 de notre aventure sur Zelda TOTK. C'est parti les gars, 134ème vidéo. Aujourd'hui les gars, let's go, Sanctuaire, évidemment, toujours, encore et toujours. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, hein, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire, serait super plaisir. N'hésitez pas aussi à follow Twitch et TikTok, Twitch je stream tous les week-ends. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah bah c'est une bénédiction, ok cool, bah écoute, ça part. Hein. Petite bénédiction. Donc voilà, donc du coup j'ai retracé un petit peu ce qu'on va pouvoir faire les gars. Un topaz, bon, rien d'incroyable. Et du coup voilà, du coup on est parti. Donc on va être en direction des Gerudo, hein, même si on... Ouais si, on va aller quand même dans le désert. Parce qu'il nous manque un sanctuaire en fait, c'est relou. C'est relou, mais malheureusement il nous manque un sanctuaire dans le désert. Dommage parce que mis à part ça, comme je l'ai dit à l'EP précédent, mis à part ça, le désert est clean. Et ça c'est con les gars. Ça, clairement, c'est con. Hop, alors. Bon, bah, lui, il s'est plié en 3 secondes. Parfait. Alors, donc, voilà. Donc, voici le sanctuaire où il faut aller. Ouais, bah, extrêmement relou, hein, pour le coup, les gars. Extrêmement relou, parce que là, il est au milieu de nulle part. Donc, ça va être marrant. Marrant, bien évidemment, au sens figuré, les gars. Et oui. Non, en vrai, ça va pas être drôle, putain de sa mère. Terrible. Alors. Alors, donc c'est parti. Let's go, donc le point mob. Le point off. D'ailleurs, je vais changer mes bottes parce que là, du coup, on part sur des bottes de sable désormais. Je dois rester aux aguets. Oui. Restons aux aguets, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mm-hmm. Bon, j'espère que je vais trouver ce sanctuaire assez facilement. Quelque chose me dit que non. Quelque chose me dit que ça va être particulièrement relou ce sanctuaire. Vraiment. Alors. Ah, sanctuaire purificateur. Purificateur. Bon, déjà il en marche, ça c'est bien. Alors, where is. Est-ce qu'il a à l'intérieur de ça? Il y a un intérieur déjà de cette merde? Ah, il y a un intérieur, ouais. Ah, il y a une grotte. D'accord, bon bah go la grotte. Hein. Il a l'intérieur de ça visiblement. C'est parti! Alors, cette grotte. Un petit peu stylé en vrai les grottes comme ça, je trouve. Nouveau. Grotte des sables mouvants. D'accord, donc le sang cul est là apparemment. Il est derrière? Oh putain. Il y a l'Elusis. Ah merde. Ah merde. À l'aide. J'ai eu. Ah! Wesh! Nice, les Usis c'est fait. Comment il y en a un qui a explosé là? C'est quoi cette explosion de merde? L'explosion de Golemon là, comme ça là? Dégage. Maintenant où est le sanctuaire? Ah, il serait derrière moi. Tu as. Il serait genre là-bas? Ah oui, apparemment il serait derrière. Attends, il n'y a rien derrière.
Mais attends, je viens de là? Ouais, je viens de là. Mais je peux pas remonter de là, si? Ah non, je peux pas. Si je fais ça. Ah non. Wesh, il est bizarre ce sanctuaire là. Alors attends. Alors attends, attends. Ne bouge pas. Est-ce que je suis... Ah voilà, je suis pas dans le bon truc, j'ai l'impression. Ah, je crois que... Je crois que, ouais, je crois que je suis pas dans le bon truc. Ah, attends, fiche d'Herpel. Ah, il y en aurait un... Ah oui, non, il y aurait un deuxième coin, en fait. Ah ouais, ouais d'accord. Alors attends. A priori, il y aurait un autre truc. Parce que là, je suis à la grotte des sables mouvants. Ok. Mais c'est pas là que le jeu il veut que j'aille. Droite de la cité. Ah, c'est bien lui, hein. Ah, c'est bien lui qu'il me faut. Ah ouais, non, il est pas du tout là, en fait. En fait, il serait plus là, je dirais. Ah bah, du coup, ouais. Du coup, il faut que je m'extraie de là, les gars. Mauvais truc. J'ai déconné. Mauvais truc, j'ai déconné, les gars. Alors. Bon, Askip, il est extrêmement bien caché, ce sanctuaire. Hein. À ce qui paraît, lui, ça va pas du tout être drôle de le trouver. Alors. Eh ben, que la partie de cache-cache commence, hein, j'ai envie de dire. Alors. Donc là, il faut que je trouve un sable mouvant. Parce que normalement, à ce qui paraît, il y en a un autre. Il y en aura un autre non loin d'ici, mais alors là... Ah bah voilà, ça doit être lui. Tu vois, je l'ai pas fait. Ok, allez go. De toute façon, c'est pas grave, au pire, ça fait une grotte. De toute façon, au pire des cas, ça fait une grotte à explorer. J'espère que c'est pas celui-là d'où je viens, hein. Alors, ruine d'ancienne prison. Ah, voilà, je crois que c'est ça. Ouais, let's go, c'est ça les gars. Ok, donc c'est ça qu'il faut explorer. Donc normalement le sanctuaire est là les gars. Je me suis fait bait une fois, mais pas deux. Alors, ruine de l'ancienne prison. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Oh putain, c'est un guide d'eau, frère. Oh bah les flèches, c'est la bienvenue, hein. Oh non. Oh non, pas les guides d'eau, frère. Cet enfer. Oh non, pas les guides d'eau. Nice. Alors. Ah, c'est pour s'enfuir. Wesh. Ah, bâtard. C'est fait exprès.
Alors. Yep. Oh merde. Oh shit. Rip les belles jambes. Elle m'a claqué sous la main. Merde. Ah, apparemment ici on peut descendre les gars. Oula. Ok. Tadam. Pourquoi il s'affole? Ah, ça dégage. Hop. Ah, il s'affole à cause de lui. Oh. Si peu, frérot. Ah, mais il y a l'Eusis là-bas. Ah, comment on atteint l'Eusis? Oh là, ça s'annonce extrêmement chiant, cette histoire. Ah, par là, non? Ah, mais il y a l'Eusis! Yes! Reste calme. Ah, attends, ne bouge pas. Voilà. Hop, nice. Ça c'est fait. Ça c'est une bonne chose de fait, les Ludis. Je pensais qu'il allait plus me casser les couilles qu'autre chose. Ah mais il y a le sanctuaire. Ah. Le sanctuaire est là, mais pour l'instant je peux pas l'atteindre. C'est malheureusement verrouillé. Ok. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de remonter. Alors est-ce que... Qu'est-ce que ça me dit en haut là, ici? Là, genre là, tout hasard. Ah, ça m'ouvre ce chemin-là. Ça m'ouvre en bas ou pas? Ça m'ouvre pas en bas. Hmm. Ah, mais attends. Ah, et ici, c'est ouvert. Oh. Merde. Oh, attends, au pire. Attends, ça fait quoi si je vais là? Ah, il y a un coffre. Bah, écoute, pourquoi pas? Ah attends, il y a un coffre et il y a une manivelle. Je peux l'activer, je crois, la manivelle de là où je suis. Ah, apparemment ça fait rien. Cimetière Yodo, attaque plus 7. Alors attends, cette arme est con... Ouais, mais exploite au maximum le potentiel du matériau. Faute de gagner beaucoup de durabilité. Ah... Ah ouais? Oh! Tu m'intéresses. Je te veux dans mon équipe. Non mais attends, en vrai tu m'intéresses parce que genre... Attends, si je fais un petit test parce que avec tous les... tu sais, avec tout... Bon, j'imagine qu'elle va pas avoir beaucoup de durabilité. Allez. Mais en vrai, j'ai bien envie d'essayer avec... un matériau un petit peu... hein, vous savez. Un petit peu sympa, quoi. Genre en vrai, ouais voilà, genre ça. 42 puissance. Ouais, le Linel c'est pas mal. Le Linel c'est pas mal beaucoup, mais moi je pensais, ouais, je pensais à ça, ouais. Je pensais à ça. Essaye le glace. Essaye le glace pour voir. Wesh! 75! Ah ouais, il double! Ah ouais! En plus, il fait des dégâts de glace. Ah ouais! Ah ouais, mon ref, carrément! Ah oui! Ah bah là, on va lui briser la nuque. D'ailleurs, ah oui, c'est ça en fait. Ah, il y a une manivelle ici. Ah, yes! Ah bah ça, du coup, c'est ce qu'il me faut, je pense. Oh non. Ah bah non. Mais ouais, je sais pourquoi. Merde, je pensais que c'était pour ça. Ah bah si. Ah d'accord. Ah, le mécanisme en fait, c'était dégager ça. Ah. Bah voilà. Nice, bah parfait les gars. Titi Mo.
Petit sanctuaire. Yes! Let's go, les gars. Let's go. Let's go, let's go. Ok. Ok. Et une bénédiction. Ça va. Ça va, mais en vrai, il a fait quand même guise de sanctuaire, hein, ce petit temple. On dirait un temple quand même, hein. L'ancienium surpuissante 8, attaché lui à l'intérieur, attaque augmentera beaucoup plus qu'avec d'autres matériaux. Ouais, mais l'attaque de base, c'est 8, quoi. L'attaque de base, c'est 8, c'est ça le problème. Tu vois, c'est ça qui m'emmerde. C'est vrai que ça m'embête un peu, donc en vrai, bah là, vu ce que j'ai, non. Ça va aller, mon ref. Je m'en débarrasse. Mais bon, j'ouvre le coffre, n'oubliez pas, hein, toujours d'ouvrir le coffre. Toujours d'absenter le truc et de dégager si vous aimez pas, mais voilà quoi. Parce que sinon, ça ne compte pas. Et c'est un peu con. C'est un petit peu con. Ok, bien. Parfait. D'ailleurs, en plus, j'ai récupéré ma santé. Ça, c'est bien. On valide. Voilà, donc comme ça, normalement, Gerudo, c'est fait. Même si en vrai... Ah, je suis sûr qu'on va y revenir pour genre des grottes, vous savez, hein. Les Elusis. Parce qu'il y aura aussi la partie Elusis à faire. Donc je suis sûr qu'on y reviendra, les gars. J'en suis sûr. On y reviendra quoi qu'il arrive. Mais bon, donc ça c'est fait. Ensuite, je voulais attaquer ces deux-là, les gars. Je voulais attaquer ces deux-là parce que techniquement, c'est les plus proches, je crois. Donc bah, on va attaquer un des deux, hein. Je pense pas qu'on fera les deux. Ça m'étonnerait. En fait, ça dépend. D'abord, si on les trouve assez facilement ou pas du tout. On va voir. En tout cas, c'est bien, on avance bien. On a 131, du coup, pour 134 vidéos, on a bientôt rattrapé l'écart. Ça me fait rire. En vrai, je vous cache pas, ça me fait rire. Pour ça, je vous le dis. Ça me fait rigoler. Ok. Ah. Ok, j'avais cru voir... Non, j'ai louché les gars, my bad. J'ai cru voir un dragon, mais non. Un des dragons, mais non. Tiens d'ailleurs, en vrai, normalement... Si je dis pas de bêtises... Est-ce que ça marche ? Que normalement ça devrait. Normalement ça devrait fonctionner, mais bon, je suis pas sûr que ça va fonctionner comme par hasard. Tac. Anti-chaleur. Oh ! Je pourrais porter lui. C'est vrai. Je pourrais porter lui. Non, parce que normalement, les gars, si on équipe une arme de glace, et ben normalement ça doit rafraîchir le corps et donc du coup, on ne devrait pas claquer normalement. Normalement. Je dis bien normalement. Il y a un trou ici en vrai. Ah. Ah, ça doit être là, les gars. Le sanctuaire doit être là. Alors on va faire le sanctuaire parce que bon, il y a un trou à faire là-bas. Qui a l'air sympa. Mais le sanctuaire. Oula, ah bah alors là les gars, excusez-moi chef, mais là... là tout ce que je vois... Attends quoi? Attends! Pardon mon ref. Attends, mais il m'a affiché quelque chose là. J'ai pas rêvé. Allez, tout rocra. Ah, il est peut-être là alors. Le sens-tu? Il est peut-être là. Ah bah non, c'est Usis. L'Elusias. Nice, parfait. C'est quoi le nom de la grotte? The Bee. Putain, il m'affiche pas le nom de la grotte. Bah en vrai, on est plutôt bien équipé en soi, hein, donc autant le tabasser, hein, le Little Rock Rare, j'ai envie de dire. Autant le tabasse, hein. Ouais. Ouais, bah écoutez, vas-y, hein, c'est parti.
Et surtout que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me faire apparaître le sanctu. Le voilà. Ouah, fils de pute! Putain, il m'a bien visé. Oh le bâtard. Wesh. Tiens. Tiens, 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 tiens. Aïe, ah, le bâtard. Ah, dommage. Yes. Oh, je l'ai bien visé, là. Comment je l'ai bien visé, frère. Hop. On va nous dire adieu, mon ref. Allez, tiens. Ciao. Nice. Alors, qu'est-ce qu'il donne, un Littorok rare? Il donne pas grand chose. Non, au final, il a rien. Ah, il donne plein de pierres. Ouais, mais il y a rien de ouf. C'est une... Ah, si, il y a un diamant. Ah, quand même. Ah, quand même. Il y a un petit diamant. Quand même. Et ça, ça vaut quoi, ça, en vrai? Ça vaut quoi, ça? Pour être honnête. Après, là, j'ai plus d'armes. Hein. Franchement, c'est la S. Hein. Gourdin solide. Fois, c'est plus la merde, celui-là. Ouais, non, après, j'ai plus grand-chose. Cœur de Griok, 27. Est-ce que lui, il me donnerait plus? Je suis pas sûr. Hein. Mais par contre, là, c'est bizarre. J'aurais été honnêtement pas surpris qu'il m'affiche la grotte, mais non. Ah, je pensais que la grotte aurait été là, mais non. Enfin, le sanctu. Je pensais que le sanctutu était là, mais en fait, non. Pas du tout. Pas du tout, mon ref. Non, non, non. Alors, attends. Apparemment, c'est le 3. Attends, quoi? L'impression sanctuaire dans le canyon est inaccessible? Ah merde! Ah merde! On peut pas le faire! Ah merde! Ah non! Ah non, on peut pas le faire, les gars! On peut pas le faire, j'ai pas la tenue des IAS! Ah non! Oh non! Ah putain, c'est... Ah d'accord. On peut pas le faire. Faut obtenir la tenue des IAS, les gars. Ah bah alors là, je suis bien aïe. Je suis bien déçu, là. Parce que là, du coup, le haut, le bas, je ne sais pas. Tomber sur des camps de bas... Ouais, 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 ouais. D'accord, bah alors comment on a la tenue? Alors vas-y, fais-moi rêver. Les jambes. Donc une défense, bon, ouais, ok. Se trouve dans une grotte située à l'ouest. Oh là là. Oh, oh merde. Oh putain. Ah merde, ah ouais, c'est un truc spécial en fait qu'il faut faire, les gars. En fait, visiblement, en fait, c'est un truc spécial où il faut faire une épreuve et tout, et il faut avoir la tenue des IAS, mais vu que moi, je n'ai que le haut, je n'ai pas encore chopé les deux morceaux restants, bah, je ne peux pas le faire. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Bon, bah écoutez, RIP, hein, j'ai envie de dire. Bah, je vais me le garder de côté. Je vais me le garder sur le tech. Tant pis. Bah écoutez les gars, on va s'arrêter là. J'espère que vous aura plu cet épisode de Zelda TOTK. On va s'arrêter là parce que voilà, de toute façon, le prochain, il est à côté certes, mais tant pis, on se le fera la prochaine fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit j'aime, le petit abonnement, le petit commentaire sur YouTube, et du coup, à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao les gars, bye tout le monde. Ciao, ciao.